La parole de Dieu dit, the word of God says, que Jésus nous a donné le pouvoir. That Jesus has given us the power. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que Jésus nous a donné le pouvoir. That Jesus has given us the power. Dis, Jésus-Christ. Say, Jesus Christ. Nous a donné le pouvoir. Pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus m'a donné le pouvoir. Et je n'ai rien à craindre. Lis pour nous Ephésiens chapitre 1, verset 15. Ephésiens 1, verset 15. Verset 15 à 22. 15 to 22. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? What is Apostle Paul saying? On lui avait parlé des Éphésiens. They told him about the Ephesians. On lui avait dit que les portes se sont ouvertes. And they told him that doors were open. Et que les Éphésiens ont cru. And that the Ephesians had believed. Il était heureux, il était très content. He was happy, very happy. Alléluia. Et il leur a écrit une lettre. And he wrote to them a letter. Pour expliquer qu'est-ce qu'ils sont devenus en donnant la vie à Jésus. To explain to them what they had become since they have given their life to Christ. Il a dit, là vous êtes des enfants de Dieu. He said, where you are there, you are children of God. Vous êtes des ennemis. You are elected. Dieu vous a sanctifié. God has sanctified you. Il vous a adopté. God has adopted you. Il vous a pardonné. He has forgiven you. Il vous a racheté. He has restored you. Il vous a révélé les secrets de son œuvre. He has redeemed you. He has revealed to you the secret of his work. Il a fait de vous des héritiers de Dieu. He has made you to be heirs of God. Et il vous a marqué, il vous a scellé par son esprit. And he has sealed you with his spirit. Mais il avait quelque chose dans sa pensée. But he had something in mind. Il savait que les enfants de Dieu ne comprennent pas facilement les choses spirituelles. He knew that the children of God don't easily understand spiritual things. À cause de certains doutes. Because of a little doubt. De certains complexes. Of some complex. Et il leur dit.
And he told them, je prie, I pray, que Dieu vous donne, that God gives you, l'esprit de sagesse, the spirit of wisdom, et de révélation, and revelation. Vous ne savez pas qui vous êtes. You don't know who you are. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. God needs to open your eyes. Qu'il vous donne la sagesse. That gives you wisdom. Qu'il vous donne la révélation. He gives you revelation. De ce qu'on appelle l'enfant de Dieu. To who is called a child of God. Croyant en Christ. Believer in Christ. Il est dit, mais il y a l'espérance. C'est l'appel de Dieu t'introduit dans la vie à venir, dans he la vie éternelle. The call of God introduces you into eternal life. Il y a l'espérance dans cette chose-là. There is hope in that thing. La vie éternelle. Eternal life. Quand Dieu t'appelle. When God calls you. Ça ne finit pas dans, ça ne commence même pas dans le jeu, et ça ne finit jamais dans le jeu. It doesn't start in a joke and doesn't end in a joke. C'est un combat réel d'un bout à l'autre. It is a real warfare from the beginning to the end. Il dit, il y a l'espérance qui s'attache à son appel. They say there's a hope that is being attached to his calling. Quand Dieu t'appelle, when God calls you, considère que tu as tout gagné. Consider that you've won everything. Il est dit, il y a la richesse dedans. He said there are riches in that. Il y a la richesse dans cette affaire-là. There are riches in that matter. Il y a même la puissance dedans. There is power in it. Il dit attention. He said, be careful. Vous êtes devenu puissant là où vous êtes. You become powerful where you are. Il dit, je prie que vos yeux s'ouvrent. I say, I pray that your eyes be open. Pour que vous sachiez que vous voyez que la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus, c'est la même puissance qui habite en chacun. So that you see that the power that God has used to raise Jesus back from the dead is the same power that lives in you. Frère, le doute est mauvais, le doute est une mauvaise chose. Brethren, doubt is a bad thing. L'ignorance est une mauvaise chose. Ignorance is a bad thing. Le doute est une mauvaise chose. Doubt is a bad thing. Il dit, la puissance a élevé Jésus jusqu'à la droite du trône de Dieu est là en vous. See, the power that lifted up Jesus to the right hand of God is in you. Et il l'a dit. And he told et Jésus en qui vous avez cru là. And Jesus whom you have believed. C'est lui qui est au-dessus de tous les noms qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. He is the one who stands above every other name in heaven, on the earth and under the earth. Dis, vous ne savez pas. Say you don't know. Après Jésus, il n'y a rien. Après Jésus, il n'y a rien. After Jesus, quand on dit Jésus, Jésus là. When they say Jesus, c'est fini. Everything is gone. Et il est en vous, il est en vous, il remplit tout en tous, puis, il est la tête. Et dit, cette chose qu'on appelle l'église là, c'est lui le chef. Is it that thing called the church? Acclamation. He is the head. Clap up, please. Quand on dit l'église là, when you say the church, le patron de l'église là, the head of the church, c'est Jésus. Is Jesus. Si tu es dedans, if you're in it, tu te couches, tu t'endors. You lie down and you sleep. Dis oh merci Paul, merci Paul. Merci. So thank you Paul. Lis à nouveau verset 15. Read verse 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, ayant entendu parler, que personne ne te trompe, tu as la foi, dis amen. Haven't heard of your faith, let no one deceive you, you have faith. Quand on a la foi, il y a quelque chose qui manque. When you have faith, some things are lacking. This is what Paul is giving us. Tu peux avoir la foi. You can have faith. Mais dans l'ignorance. But in ignorance. Ça ne peut pas t'aider. It cannot help you. À la foi, ajoutez quoi? To your faith, what should you add? Et de votre charité pour tous les saints. Non, attends d'abord, un petit test. À la foi, nous devons ajouter quoi? Dit l'apôtre Pierre. Peter says to your faith, what should you add? Ajoutez à la foi là. Add to faith. Non, vous sautez. You're skipping. On ajoute d'abord la vertu. You add virtue. Pour que la foi ne soit pas la foi de ces démons.
So that faith will not be the faith of demons. Après, on ajoute la connaissance, la science. Then you add knowledge, science. Paul ne veut pas que nous soyons des ignorants. Paul doesn't want us to be ignorant. Lise. Read. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Qu'est-ce qu'il demande? You in my prayers. What is he asking? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Give you a spirit of wisdom. Et de révélation. And of revelation. Dans sa connaissance. In his knowledge. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. And that he enlightens the eyes of your heart. Pour que vous sachiez. So that you will know. Listen carefully. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? What is the hope that is attached to his calling? Il y a quelque chose que Dieu nous donne quand il nous appelle. C'est quoi? C'est la vie éternelle. There is something that God gives us when he calls us. What is it? Eternal life. L'autre mot qui désigne la vie éternelle dans les Écritures, c'est l'espérance. Another word for eternal life in the scripture is hope. Espérance. Hope. Et quoi d'autre? And what else? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers avec Jésus. What is the riches of the glory of his heritage? Because we are heirs and co-heirs with Jesus. C'est-à-dire que quoi? Meaning. Si tu lis la Bible, if you read the Bible, si tu rencontres une promesse de Dieu, if you encounter a promise of God to Jesus, c'est aussi ta promesse. It is also c'est your aussi own la promise. Promesse de Dieu pour toi. It is also the promise of God for you. Si tu lis dans la Bible, if you read in the Bible, si tu as dit à Jésus, je ne t'abandonnerai jamais dans la tombe. If God told Jesus, I will never forsake you in the grave. Je vais te ressusciter. I will raise you. Parce que Dieu te dit aussi qu'il ne te mettra jamais dans le tombeau quand tu vas mourir. Tu vas ressusciter. Know that God is telling you that he will never forsake you when you're in the grave. You're going to be risen. Si tu as Jésus, va casser les prisons. If he tells Jesus, go and break prisons. Considère que il t'a dit la même chose, va casser les prisons. Consider that he told you the same thing, go and break prisons. Il y a la richesse dans cette affaire. There is riches in that matter. Il y a l'héritage dedans. There is heritage. Il y a l'héritage dedans. There is heritage in it. Et puis il y a quoi? Continue. Then what else? Et quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. The infinite greatness of his power. Il peut nous transformer. He can transform us. Il est capable. He is able. Même si nous sommes comme les Lazare, spirituellement morts et qui sentent déjà. Even if we are like Lazarus, spiritually dead and we are smelling. Non seulement qu'ils peuvent agir sur toi avec puissance. He can act on you with power. Il peut t'utiliser avec puissance. He can use you with power. Tu peux délivrer ta famille. You can deliver your family. Pour aller tout droit. To go straight to the point. Tu peux. You can. Et tu vas le faire. And you're going to do it. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. To also believe the infinite greatness of his power. C'est pour cette raison que Jésus a dit, je vous ai donné mon pouvoir. That is why Jesus said, I've given you my power. Je vous ai donné. I've given it to you.
Et il a dit dans Jean chapitre 20 verset 21, comme le Père m'a envoyé, as the Father has sent me, moi aussi je vous envoie. I also send you. Et dans Jean 17 verset 18, il dit, comme le Père m'a envoyé, as the Father has sent me, moi aussi je vous envoie. I also send you. Ça veut dire que c'est une chose très sûre. It is something very sure. Que Jésus répète. That Jesus is repeating. Pour que personne ne doute. So that no one can doubt. Please be on your feet. David a dit. David said. Mon âme. My soul. Pourquoi t'as battu? Why are you sorrowful? Espère en Dieu. Believe, trust in God. Et toi dis, mon âme. Yeah, you tell your soul, my soul. Pourquoi veux-tu douter? Why do you want to doubt? Crois aux Écritures. Believe the Scripture. Sinon, tu seras fatigué. Tu auras l'impression que le combat est difficile. If not, you will be weary. You will think that the battle is hard. Tu crois aux Écritures. Then believe in the Scriptures. Ça c'est toi-même, chérie. Tu te donnes, tu te fortifies dans la parole de Dieu. You strengthen yourself in the word of God. Lift up your hand. Dis, Père. Say, Father. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous bannissons les querelles dans les familles. We banish quarrels in families. Dis, nous bannissons les querelles. We banish quarrels. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous bannissons les violences. We banish violence. Dans certaines familles, c'est avec tous. Dès que quelqu'un se fâche, il prend la machette. In some families, when somebody is angry, just take the cutlass. D'autres ramassent les gourdins. Another one will take a big stick. D'autres se fâchent, ils collent la tête sur le mur. Ils ne pas c'est une bonne chose. Some will get angry and hit their head on the wall. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous bannissons les querelles. We banish. Nous bannissons les violences. We banish violence. Nous bannissons les divisions. We banish division. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Dis, nous détruisons les faux dieux. Then we destroy false gods. Nous détruisons les faux dieux. We destroy false gods. Dis, nous dispersons l'armée des démons. Then we scatter the army of the demons. Qui excite à la colère. L'armée des démons dans nos familles, in our families, pour pousser les gens dans la violence, to push people in violence. Toute l'armée des démons, demons, pousse les gens dans les joailleries, push people in drunkenness. Toute l'armée des démons, demons, pousse les gens dans les joailleries, dispersons, au nom de Jésus Christ, in the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying. So, lift up your right hand. Lift up your right hand. Your Lord Jesus. Say the name of Jesus. Brisons les chaînes. We break the chains. Et nous dispersons tous les démons. And we scatter the demons. Qui pousse les membres de nos familles à chercher la religion sans Jésus. Who pushes the people of our family to look for religion without Jesus? Religion sans Jésus, jugez. Religion without Jesus, we judge you. We judge you. Religion without Jesus, we judge you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous déchirons les écailles. Lis Romains chapitre 10 d'abord. Verset 1 et 2. Prie avec puissance. Pray with power. Notre but, c'est d'amener les familles à donner leur vie à Jésus. Our goal is to bring families to Christ. Voyons l'exemple d'apôtre Paul. Lis. Let's look at the example of Apostle Paul. Romains chapitre 10, verset 1 et 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire, Paul dit, il prie pour ses parents. Paul dit that he's
praying for his relatives. Il y a les prières qu'il a élevées pour l'église, mais ça là, c'est pour ses frères dans la chair. There are some prayers he lifted up for the church, but this one is for his blood brothers. Continue. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et certains de nos frères ont du zèle, ils vont à l'église, ils donnent de l'argent, mais ils sont immoraux, ils n'acceptent pas la repentance. Some of our brothers, they have the zeal, they go to church, they give money, but they are very immoral, they refuse repentance. Ils nourrissent les pasteurs et les prêtres, mais si tu leur parles de repentance, ils vont dire que tu nous juges, pourquoi tu me juges? They feed pastors and priests. If you tell them about repentance, they say, why are you judging me? Ils ont le zèle sans intelligence. They have zeal without understanding. Il faut les délivrer. You have to deliver them. Continue. Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. They don't know the righteousness of God. Et cherchant à établir leur propre justice. Et fabriquant leur religion pour se consoler. They want to fabricate their own religion to console themselves. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et ils ne savent pas que tout est remis entre les mains de Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. They don't know that everything is in the hand of Jesus. He's the way, the truth, and the life. Et que l'esprit de Jésus fortifie l'homme et lui donne la puissance pour marcher dans la vérité. And that the spirit of Jesus strengthens man and gives him the power to walk in truth. Ils ne savent pas que Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. They don't know that Jesus said that without me you can do nothing. Qui sait que Jésus a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire? Who knows that Jesus said without me you can do nothing? Et ils ne savent pas ça. They don't know it. Lève-toi. Lift up your right hand. Nous jugeons l'armée des démons. Say we judge the army of the demons. L'armée des méchants esprits. The army of evil spirits. Qui pousse les membres de nos familles à pratiquer une religion sans Jésus. That pushes the members of our family to practice a religion without Jesus. À le faire joyeusement, avec une bonne conscience. To do it happily with a good conscience. Nous renversons ce trône. Nous jugeons tous les démons qui sont utilisés par Satan. Nous arrachons les âmes entre les mains des faux bergers. Nous bannissons les mensonges. Nous jugeons les falsifications des Écritures. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue to pray aloud. Keep praying in tongues. Duro baka sare la baka sore la baka sare la baka sore 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 la Uriya baka baka shika baka jere baka goba jere baka goba jere baka ura baka jere baka goba jere baka goba jere baka ura baka jere baka jere baka jere baka jere baka ura baka jere baka goba jere baka goba jere baka ura baka jere baka goba jere baka ura baka jere baka goba jere baka ura baka jere baka goba jere baka les faux raisonnements. We judge faith-wisdom. Nous jugeons toutes les philosophies. We judge every philosophy. Toutes les pensées païennes. Every pagan thought. Sur lesquelles les gens s'appuient pour résister à Dieu. When people start to resist to God. Nous jugeons les pensées humaines. We judge human thoughts. Nous jugeons les inspirations démoniaques. We judge evil aspirations. Nous jugeons les fausses doctrines. We judge. Nous jugeons les sectes pernicieuses. We judge sects. Au nom de Jésus. Nous les parions. Les parions. Les parions. Les parions. Continuez à prier en larmes. Keep praying, God.
Je lance Jésus. In the name of nous Jesus. Jugeons le culte des morts. We judge the worship nous of death. Nous jugeons le culte des morts. We judge the worship of nous death. Nous proclamons. We proclaim que les morts ne sont pas de Dieu. That those who are dead are not God. Écoutez, un jour. Listen carefully. One day. Je dormais et dans une vision. I was sleeping in a vision. J'étais en train de prêcher. I was preaching. Dans une salle. In a hall. Et il y avait des gens habillés en noir. There were people were dressed all dark. Il devait être 3 or 4. There were 3 or 4. J'ai dit au nom de Jésus. I said in the name of sortez. Jesus, go out. Rien. Nothing. J'ai dit au nom de Jésus. I said in the name sortez. Of Jesus, go out. Rien. Nothing. Et pour la troisième fois. And for the au nom de Jésus. I said in the sortez. Name of Jesus, go sortez. Out. And they went out. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'ils résistaient, what is interesting is while they were resisting, they were speaking. Pourquoi on dit qu'on ne doit pas adorer les morts? Eux aussi, on doit les adorer. And they were saying, why should we not worship the dead? We have to worship them. Et le Seigneur m'avait révélé que si j'avais dit pour la troisième fois, and the Lord revealed to me if I had said it the third time, et qu'ils ne soient pas sortis, and they didn't go, on allait rencontrer une résistance. Peut-être même que même la conquête allait s'arrêter depuis. We have had encountered a resistance and the world conquest will have stopped. Ils revendiquaient l'adoration des morts. They wanted the worship of death. C'est venu dans mon esprit quand on a lancé le sujet. It came to my spirit when I gave the bannissons le culte des morts. Let's banish the worship of death. Dans certains villages, on jette. On prend l'argent, on jette dans le cercueil, voici ton transport. Ce n'est pas l'odeur, c'est le culte de mort. In some villages, they put money in the grave, they say, this is your transport fare. It's not nothing, it's the worship of death. D'autres enlèvent le crâne après un certain temps. On part enlever le crâne pour adorer. After some time, some people remove the skull. D'autres parlent aux esprits. On l'appelle. Et puis tu entends, on dit, oh, il a répondu. Le voilà, il a dit telle chose. Vous, some vous n'attendez rien. Speak to the spirit. They call him and they say, he has answered. You hear nothing. Ou alors, il y a des danses spécifiques. Quand quelqu'un meurt, il y a une certaine danse que, ou bien ce sont les hommes seulement qui dansent comme ça, ou les femmes dansent leurs parents. Or, there are some specific dance, either men or women. Ou bien on prépare des coctions, on dit buvez. Or they cook some things and tell you drink. Ou bien on rase la tête, on fait comme si ce n'est rien. It means it looks as if it's nothing. Ça, or they shave your head. Mais c'est le culte, c'est comme ça. But it is a worship. That is how it is. Dis-nous bannissons le culte mort. We banish worship of death. Nous bannissons le culte mort. We banish worship of death. Dit, nous jugeons leur persécution. Parce que quand les gens refusent de les adorer, ils viennent troubler leur sommeil. Because when people refuse to worship them, they come and trouble their sleep. Et après beaucoup de souffrance, les gens retournent seulement adorer. And after many suffering, they go back and worship them. Prions que ceux qui sont tourmentés soient délivrés. Pray that those who are tormented be delivered. Que au nom de Jésus, nous arrachons des tourments. We snatch you from torment. Tous les membres de nos familles qui souffrent, qui souffrent des oppressions des démons. Nous arrachons. We snatch you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tous les membres de nos familles. All the members of our families. Qui souffrent. Suffering. Parce qu'on oppressé par les démons. Oppressé par les démons. Oppressed by death. Nous jugeons tous les morts. We judge all the dead. Tous les esprits de mort. All the spirit of death.
Nous les jugeons, nous les jugeons. Et au nom de Jésus, nous jugeons ceux qui sont ici dans la foule. Ici, un esprit s'est caché dans un corps ici. Tu es jugé, tu es foudroyé, tu es frappé. Sors les bâtards. Sors les bâtards. Au nom de Jésus-Christ. Sors les bâtards. Tu ne seras pas adoré. Tu ne seras pas obéi. You will not be worshipped, you will not be obeyed. Prions en langue. Let's pray in tongues. Dieu, au nom de Jésus, nous jugeons les morts qui ont volé les bénédictions de tous les membres de familles vivants. The members of families who are alive. Tu nous arraches tout. We smash everything. Tout. Everything. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier en langue. Keep praying in tongues. Oria kete kere dikere vasa, oria bakara masini kasa, oria bara basini kere bara basika ba, ora bakari baka sere baka, ora baka sere baka juru baka juru baka, ora baka juru baka kwa juru baka kwa juru baka, ora baka juru baka kwa juru baka kwa juru baka, ora baka juru baka kwa juru baka kwa juru baka, ora baka juru baka kwa juru baka kwa juru baka. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Aucun esprit de mort. No spirit of death. Le don de justice. Aucun esprit de mort. No spirit of death. Le don de justice. To resist, yes. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Aucun esprit de mort. No spirit of death. Quelle que soit la raison. No matter the reason. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Come away. Jésus a racheté toutes les âmes. Jesus has redeemed all souls. S'il y a un ancêtre qui habite un corps. If there is an ancestor living in a body. Un parent proche ou un parent éloigné qui a réussi à posséder un corps. A relative or a close parent that possesses. Pardon. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Pardon. In the name of Jesus Christ. Si vous vous êtes associé pour former une coalition, je vous disperse. If you associate yourself, I disperse you. Je vous disperse. Je vous disperse. Je vous disperse. Pas de coalition. No coalition. Je vous disperse. Je vous disperse. Pas de renfort. Pas de coalition. Kurabakashara,
Pas de coalition. Non, papa. Pas de renfort. Non, papa. Vous dispersez. I disperse. Vous dispersez. I scatter. Vous dispersez. I scatter. Au nom de Jésus-Christ. Pas de coalition, pas de renfort, pas de coalition, pas de renfort, pas de renfort. Pas, va-t'en. Pas de coalition, pas de renfort. Pas, va-t'en, va-t'en. Pas de coalition. Oui, va-t'en. Ele vai cacer, querida, reta bateca, ara na caceca, ele vai caceca, ele vai caceca, ele vai caceca, ara na 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 caceca, ele vai 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 Urga les morts au séjour des morts. 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 Pas tant esprit. Pas tant esprit. Pas tant esprit. Les morts au séjour des morts. Les morts se jouent les 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 morts. Au nom de Jésus. Les morts se jouent les morts. 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 Les morts sont devant, les morts sont devant, les morts sont devant, les morts, on se joue les morts. Écoutez. Nous sommes allés au Liberia. We went to Liberia. On nous a parlé d'une sorcière. And they qui avait cherché la délivrance, qui ne l'avait pas obtenue. And they spoke to us about a witch doctor who was seeking for deliverance and couldn't have it. A sorcerer who was looking for deliverance and didn't have it.
Elle est venue à l'enseignement. She came to a teaching. On a enseigné vendredi. And we taught on Friday. On a enseigné samedi. And the taught on Saturday. Les délivrances étaient programmées pour dimanche. And deliverance were for Sunday. Après, j'avais modifié le programme. After that, I modified the program. Samedi, on a commencé à prier pour les délivrances. On Saturday, we started praying for deliverance. Elle dit que pendant qu'on priait, and she said, while we were praying, quelqu'un entrait dans la salle. Someone entered into the hall. Et la personne lui a dit, and the person told her, je vais enlever ce qu'on avait mis sous ton pied. I will remove what was put under your foot. Et dès que la personne a enlevé, and at once as the person removed that thing, elle se sentit légère, elle est tombée. She felt very light and she fell down. Elle était délivrée. She was delivered. Qui était entré? Who had entered? Qui était entré? Who had entered? Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. C'est pour ça que personne ne pouvait la délivrer. That is why nobody could deliver her. Si on t'a envoûté, if you have been bewitched, on a mis quelque chose dans ton corps, and something has been placed in your body, et c'est ça qui fait, qui cause toute la résistance, and that is what is causing all the resistance, et tu ne sais pas ce qui se passe, and you don't know what is happening. Elle cherchait la délivrance, elle était fatiguée. She was looking for deliverance, she was tired. On dit quand on prépare le riz, les grosses marmites là, quand le riz chauffe, elle met sa main, elle tourne avec sa main. They say when they are cooking rice in big pot, when it is still hot, she will put her hand inside and turn it. Il y avait 1200 filles. There was 1200 girls qui furent excisées le même jour. Who was circumcised the same day. Et on a pris les parties prélevées après l'excision, on a préparé, ils ont mangé. And they took that part that they had removed from them and they cooked it and ate it. Et on l'a nommé chef de toutes les autres. And she was the queen, the head of all the others. Elle est authentiquement délivrée aujourd'hui. Now she is completely free. Chaque voyage, every journey, elle est présente. She is present. Si on avait mis sous ton pied, if it was put under your foot, Jésus nous a donné le pouvoir pour enlever ça maintenant. Jesus has given us the power to remove it right now. Si c'était dans ton oreille, if it was in your ear, nous allons enlever. We are going to remove it. Quand nous sommes nouvellement arrivés, une femme nous disait que quand Dieu lui parle, ça fait dans son oreille, chic 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 chic. When we newly came, ça sera enlevé. A woman was telling us that when God is speaking to her, he makes chick chick chick. If that's the thing, it's going to be removed. C'est Dieu qui fait chick chick à l'oreille là. That God that makes chick chick in your ear. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. It's not the God of Israel. Si on t'avait donné ça dans un verre d'eau, ou un verre de bière, ou de je ne sais quoi, ça va sortir. If it was given to you in a glass of water or of beer, it's going to come out. Si c'était dans un plat de nourriture, if it was in a plate of food, ça va sortir. It will come out. Tu auras le repos de ton âme. You're going to have the rest of your soul. Lève ta main. Lift up your hand. Dis d'un commun accord. Say in one accord. Nous jugeons tout objet. We judge every object. Qui sert de base, which is used as foundation, pour la résistance des démons, for the resistance of demons, tout ce qu'on a introduit dans, everything that was introduced, dans un frère, into a brother, dans la boisson, la nourriture, in a drink or in food, ou quelque chose qu'on a piqué sur son corps, or something that was pierced on his body. Tout ce qui sert d'appui aux sorciers, aux esprits de mort. Everything that serves as resistance to witches and the spirit of death. Tout ce qui permet à un mari de lui de voyager et de revenir
comme si c'était chez lui. All that serves of a spirit husband to go and come back. Tout ce qui garde la porte ouverte. Everything keeping the door open. Toutes les techniques qui ont été utilisées. All the techniques that were used. Les objets. The objects. Les techniques. The techniques. Les symboles. The symbols. Les paroles d'incantation. Words of incantation. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous les brisons. We break them. Nous les bannissons. We banish them. Nous détruisons tous les pouvoirs. We destroy all their power. Nous enlevons tout. We remove everything. 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 Nous extirpons tout. We remove everything. Et nous libérons les âmes. And we set free souls. Tu ne seras plus sorcière. You will not be a witch. Tu es délivré. You are delivered. Que ce qui a été mangé soit vomi, vomi, vomi. Everyone was eating, be thrown away, thrown out. Tous les objets. Every object. Tout objet, toute chose. Every object, everything. Un morceau de bois, un tissu. A stick or a material. Une feuille. Même si ce sont les feuilles des arbres, even if they are leaves from nous jugeons tout, we judge everything. Et nous arrachons tout, and we et nous arrachons tout, and we et nous brûlons tout dans le feu de Dieu, and we burn it in the fire et nous libérons toutes les âmes que nous captives, toutes les âmes que nous captives, toutes les âmes que nous captives, sortez de prison. Jésus vous libère. Jesus is setting you free. Jésus vous libère. Jesus is setting you free. Jésus vous libère. Jesus is setting you free. Si on a volé tes habits. If your clothes were stolen. Et on a mis ça dans une tombe. And it was placed in a grave. Pour établir le lien. To establish the link. Nous te séparons de ces habits. We separate you from those dresses. Et nous libérons ton âme. And we set free your soul. Nous libérons ton âme. We set free your soul. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Dis, s'il y a quelque chose de honteux. If there is something that is shameful. Qu'on a collé à quelqu'un. That has been gone to someone. Pour l'humilier. To humiliate him. Ça peut être la pauvreté. It could be poverty. Ça peut être l'épilepsie. It could be epilepsy. Tout ce qu'on a fait pour te... Pour coller la honte à ta personne. Everything that was made to God shame unto you. Ça peut être le célibat. It could be celibacy. Je déclare que Jésus te libère. I declare that Jesus sets you free. Jésus te libère. Jésus te libère. Jesus sets Jésus you free. Jésus te libère. Jesus te libère. Jesus sets you free. Jésus te libère. Jesus sets you free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le poids soit roulé. Let shame be rolled away. Que le poids soit roulé. Let shame be rolled away. Que le poids soit roulé. Let shame be rolled away. Que le poids soit roulé. Let shame be removed. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Que le poids soit roulé. Que le poids soit roulé. Que le poids soit roulé. Que la honte soit roulée. Que la honte soit roulée. Que le mépris soit roulé. Que le mépris soit roulé. 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 Si on a jeté les déchets sur toi. If trash was thrown on you. Pour attirer le mépris contre ta personne. To bring despise unto you. Les déchets. Trash. Sur ton visage. Trash on your face. Tu es délivré. You're delivered. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus washes your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus cleanses your face. Le sang de Jésus lave ton visage. The blood of Jesus washes your face. Le sang de Jésus. The blood of Jesus.
Montre ton visage. Moi, je suis ici en paix. Montre ton visage. Moi, je suis ici en paix. Le sang de Jésus. Lave ton nom. Moi, je suis ici en paix. Le sang de Jésus. Lave ton nom. Lave ton nom. Moi, je suis ici en paix. Lave ton nom. Moi, je suis ici en paix. Lave ton nom. Lave ton nom. Lave ton nom. Moi, je suis ici en paix. Lave ton nom. Lave ton nom. Moi, je suis ici en paix. Shaka baka shaka baka. Shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Obaka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka shaka baka shaka baka shaka baka shaka baka. Urobaka 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 shaka baka shaka baka shaka baka. Si on a échangé ton âme, if your soul has been exchanged, contre l'âme d'un animal, against the soul of an animal, on t'a menti, qu'on va te soigner. They lied to you. Tu es délivré. You are set free. Tu es délivré. You are delivered. Toute personne, every person, que les sorciers ont trompé, that witches lied to them. On lui a donné l'âme d'un animal. They gave you the soul of an animal. Peut-être qu'on t'avait enterré. Maybe you were buried. Ou bien on t'a dit de sacrifier le chien ou le mouton. Or they asked you to sacrifice the dog or the sheep. Et tu ne savais pas. And you didn't know. Jésus te délivre. Jesus is delivering you. Jésus te délivre. Jesus is setting you free. Jésus te délivre. Jesus is setting you Jésus free. Jésus te délivre. Jesus is setting you free. Jésus te délivre. Jesus is setting you free. Jésus te délivre. Jesus is setting you free. Si on t'a envoûté, if you were bewitched, à partir du sang qu'on a prélevé sur toi, from the blood that they took from you, et on t'a envoûté, and they tu es délivré. You are delivered. À cause du sang qu'on a prélevé sur toi. Because of the blood that they took from you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si on t'a enchaîné au fond des mers. If you were chained in the depths of the waters. Au fond des eaux. In the depths of the waters. Si tu es au fond des eaux. If you are in the depths of the waters, si tu es au fond des eaux, if you are in the depths of the waters, Jésus te libère. Jesus sets you free. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Si tu es dans un arbre, if you are in a tree. Si on t'a envoûté dans un arbre, if they bewitched you in a tree, même si c'est là où tout le village est envoûté, even if that is where they bewitched the whole village, Jésus te libère. Jesus sets you free. Cet arbre déraciné. We uproot that tree. Déraciné. We uproot that tree. Déraciné. We uproot that tree. Déraciné. Uprooted. Prions en langue. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons toute maladie. We judge every sickness. Dont les origines sont mystiques. Whom origins are evil. Consciemment ou inconsciemment. Consciously or unconsciously. Toute maladie. Every sickness. Dont les origines sont mystiques. Which comes from witchcraft. Tu es jugé. You are judged. Arraché. We are thrown in the fire. Le
brisons les origines. We break your origins. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. De toute maladie, with evil origins. Va-t'en. Go away. Va chez la personne qui t'a envoyé. Go to the person who sent you. Va. Go. Va. Go. Va. Go. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Gardez le calme. Keep quiet. Viens nous entonner l'hymne. Come and give us the hymn. On se réjouit avant de rentrer. And we're going to rejoice ourselves before going back. Acclamation. Clap offering. Tout puissant, Jésus. Tout puissant, Jésus. Tout puissant, Jésus. Tout le monde debout. Everyone stand up. Tout puissant, Jésus. Tout puissant, Jésus. Tout puissant, Jésus. Il règne là-haut. Il règne là-haut. Il règne sur la terre. Oh!